Vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, déjà excusez-moi pour mon visage, je vais aller maquiller juste après. C'est juste, je voulais vous dire bonjour tout d'abord. On vient de se réveiller, il est 9h40. Je suis explosée, je me suis endormie à. Molo. Je me suis endormie à 4h du matin, j'en peux plus. J'ai dormi 5h. Là, je vais. Oui, mon amour, tu veux dire bonjour? Là, je vais m'occuper d'Inès, je vais lui changer la couche et tout. J'ai mon chéri qui est devant Primark. J'ai mon chéri qui est devant Primark parce que je voulais qu'il m'achète des trucs. Je voulais vous montrer, genre, ce que j'ai acheté. Enfin, c'est pas moi qui suis partie, mais en gros, ce que je voulais et tout. En gros, je l'ai envoyé à Primark pour qu'il me prenne des trucs parce que vous savez, je ne sors pas, j'ai pas de passe sanitaire et tout. Bah, du fait où je sors pas, je suis pas encore partie me faire vacciner malheureusement. Donc, du coup, je peux pas faire tout ça. Et encore, ma copine m'a dit qu'il y avait plus besoin de tout ce qui est passe sanitaire au niveau des centres commerciaux. Mais bon, dans tous les cas, je sors déjà petit à petit. Ça commence à aller un peu mieux. Mais affronter Primark. Ça là, le jour où ça arrive, je peux dire que je suis guérie, que j'ai plus de problème. Franchement, s'il arrive à y aller, parce qu'il m'a dit ça ouvre à 11h. Comme je vous ai dit, il est 9h45. Il m'a dit ça ouvre à 11h, il y a déjà une quarantaine de personnes devant. Donc en espérant qu'il soit patient et qu'il y aille. Et de l'autre côté, j'ai mon père qui est chez Ikea. J'ai mon père qui est chez Ikea en attendant que ça ouvre. Pour récupérer mon meuble Alex, parce que pareil, je n'y vais pas, donc heureusement qu'ils sont là. Donc là, il est parti me récupérer mon meuble Alex et des petites questions que j'ai pris avec, j'ai pris en click and collect. Il doit me les récupérer entre 10h et 11h et après, il vient me le déposer. Je vais monter tout ça avec vous. Je vais nettoyer, tout ranger après avoir monté le meuble. Et organiser tout mon maquillage. J'espère juste que j'ai pris les bonnes mesures pour le meuble. Ça me fait trop peur. Mais bon, c'est pas grave. Là, je vais m'occuper d'Inès. Je vais la mettre en. Enfin, lui changer la couche et tout. Je vais me faire un petit café et je vous reprends à ce moment-là. Vous voyez, il y en a de partout. J'ai mis cette étagère qui est même pas fixe ni rien. C'était juste en dépannage en fait. Donc il y a tout ce qui est pinceau, là tout ce qui est make-up que j'utilise chaque jour. En dessous, il y a tout ce qui est soins. Ici, tout ce qui est stockage, soins, parfums, masques et tout. En dessous, pareil pour les cheveux. Ici, j'ai tout ce qui est palette. J'aimerais bien tout ranger dans un tiroir. Ici, pareil, soit je laisse comme ça, soit je range. Tout ce qui est pour les ongles, le semi-permanent, le basique. Là, tout ce qui est produit pour les ongles. Là, tout ce qui est serviette hygiénique, des vernis, les pinceaux pour les ongles. Ça, c'est des trucs de pharmacie. Mais en gros, j'aimerais bien, vous voyez, enlever un peu tout pour alléger un peu le truc. Parce que là, j'en peux plus, c'est beaucoup trop. Donc, j'ai pas mal de trucs. J'ai vraiment beaucoup de trucs comme ça. Au moins, déjà, ça va me permettre de faire un tri. Ce que je veux, ce que je veux pas, ce que je compte garder ou pas. Ouais, donc en gros, je vais essayer aussi de faire un petit tri parce que je suis sûre que j'ai des trucs que je n'utilise pas ou peut-être qu'ils sont même terminés, j'en sais rien. Comme ça, je vais faire un petit bac pour mes produits terminés. Ce que je vais faire comme chaque matin, je me nettoie la peau avec le Petal Soft Gel Toner de chez The Body Shop. C'est celui au pétale de rose, le British Rose. Donc je le nettoie vraiment, enfin je me nettoie vraiment avec ça essentiellement. Parce que même si je me démaquille la veille, le soir, il y a toujours des petites ridules qui viennent s'installer. Des petits trucs dont d'où l'importance de bien se nettoyer le visage le matin. Donc moi ce que je fais c'est que je nettoie avec ça. Hop. Ensuite je vais venir du coup hydrater mon teint, ainsi de suite, pour après venir me maquiller. Et en gros ce que je fais c'est que je mets mon contour des yeux de chez Fluff. Hop.
très important. Et sinon, j'alterne avec celui de Body Minute. Vous savez à quel point j'adore leurs produits. J'ai vraiment eu un gros, gros coup de cœur pour leurs produits, que ce soit pour moi ou même pour Inès. Franchement, Inès, elle utilise tout le temps la crème hydratante et tout. Elle n'a jamais eu de soucis. Parce que j'ai eu des petits messages en mode « Ouais, mais est-ce que sur la longue et tout, nana ?» Bah franchement, je peux vous assurer, elle n'a jamais eu la peau sèche. Elle n'a jamais eu de trucs chelous. Franchement, je l'aime vraiment beaucoup. Après, elle est super bien notée et tout. Ensuite, je vais mettre le sérum pour les pores de chez Sephora au BHA et au PHA. Pour l'instant, j'ai pas énormément de résultats. Je sais pas, à voir sur la longue. Là, c'est vrai que je l'ai acheté, ça a fait un petit moment, mais je vous avoue que ces derniers temps, je suis pas à 100% correcte avec ma skincare. Je me laisse un peu aller parce que même ça me saoule, tout est en bordel, tout me saoule. Et je vais du coup utiliser la Hydratempo, le soin hydratant 8 heures de Body Minute. C'est une crème hydratante. Vous avez aussi le format en 24 heures et qui fait masque aussi. Ça fait crème et masque. Franchement, la texture, elle est juste géniale. Ça fait vraiment un effet gel que j'adore le matin. C'est vraiment un truc de ouf. Et elle est à base d'acide hyaluronique et d'hydragel. Et pareil, toujours hyper bien noté. Franchement, leurs produits, je vous le dis à chaque fois, c'est pas parce que j'ai collaboré avec eux que je vous dis que j'aime ou que j'aime pas. C'est vraiment, j'adore leurs produits. La seule chose qui m'est arrivée il n'y a pas très longtemps, j'ai utilisé l'eau micellaire. Après, je pense que j'avais la peau méga sensible au moment où je l'ai utilisée. Et en fait, ça a commencé à me brûler au niveau d'ici. Vous savez, c'est après ma session intense de maquillage. Bah, ça a commencé à me brûler la peau, mais d'une force. J'ai dû me rincer et tout parce que ça me brûlait un petit peu. Mais sinon, j'ai jamais eu ce problème avec ce produit, bien au contraire. Donc, je sais pas, à retester. Là, c'est vrai que ma peau a été hyper sensible, franchement. Je l'ai tellement dévasté et tout avec les maquillages d'Halloween. Ce que je vais faire, c'est que je vais me préparer. Je vais mettre un peu d'anti-cerne, un peu d'eyeliner, faire mes sourcils, du mascara et un peu de poudre et c'est tout. Je ne vais pas mettre de fond de teint, je ne vais rien mettre. Et je me maquille vraiment pour me maquiller un petit peu parce que j'aime bien voilà, être un minimum présentable. Mais après, en soi, ça ne m'aurait pas dérangé de faire la vidéo comme ça. Tu veux dire bonjour? Tu veux dire bonjour, c'est ça? Dis coucou les copains! Salut, tu dis salut? 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 Salut! Ma beauté, ma fierté, ma vie, que je t'aime. Viens. Hier, Inès, elle a commencé à marcher. Elle marche pas encore de ouf, mais elle a fait 5-6 pas. J'étais trop choquée, j'étais trop contente. Bon, je vais me préparer vite fait, comme ça, ça ira plus vite. Comme je vous ai dit, je vais rien mettre de fou sur mon visage. Je vais utiliser mon mascara de chez Clarins que j'aime et que voilà, c'est l'amour de ma vie avec le Butter and Sex que j'avais acheté. Ça fait hyper longtemps que je ne l'ai pas utilisé, mais c'était un mascara que je surkiffais. Bah, celui-là, je peux vous dire que c'est un truc de malade. Je vais mettre un peu d'anti-cerne. Donc, le Conceal and Define, il faut que je le termine pour après racheter... le Shape Tape. Je vais mettre un peu de poudre. Je vais mettre la marque Jacobs, la Omega Bronze en teinte 104 Tantastique. Et je vais faire mes sourcils avec le Aqua Brow. Et c'est tout. Et si je mets un peu d'eyeliner, ça sera celui de chez Maybelline, le Hyper Précise All Day Matte en teinte noire. Donc voilà. C'est tout ce que j'utilise vraiment au quotidien quand j'ai la flemme de me maquiller. Même si je me maquille quand même. À comprendre, mais voilà, je vous retrouve une fois que c'est fait. Et de toute façon, mon père va pas tarder, je pense, donc il faut que je m'active. Le meuble est arrivé, il est juste là. Il faut que je le monte, sauf que là, mon chéri, il n'est pas encore arrivé. Le pauvre, grosse galère chez Primark. Je crois qu'il va me tuer en rentrant. Donc, du coup, il faut que je le monte. Je vais essayer de le monter, mais avec Inès, ça va être un peu compliqué. Donc, pour l'instant, je pense qu'on va attendre un petit peu. Je vais essayer de le rappeler, voir s'il s'en sort parce que, en fait, tout ce que j'ai envoyé par photo que je voulais, bah, c'est plus dispo. Donc, il est en galère là, le pauvre. Donc, voilà. Mais bon, on croise les doigts. Ça va être une bonne journée. Mon père et mon frère, ils viennent de partir. Ils m'ont déposé le meuble et j'ai acheté aussi ça.
Je croyais que c'était en plastique, mais en fait, c'est en... c'est en... comment ça s'appelle, en carton. Bon, après, ça ne me dérange pas plus que ça. C'est des petites boîtes et tout pour mettre dedans. Donc, on se retrouve comme ça. J'ai le meuble qui est juste ici, la petite crapule qui est juste là. Donc, je vais essayer de monter le meuble. Je vais vous mettre tout ça en accéléré et en musique parce que sinon, ça va être trop long. J'ai réussi toute seule. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer un petit coup d'aspirateur parce que vous savez, il y a plein de petits morceaux de bois là. Je me suis défoncé les doigts. Mais bon, c'est pas grave. Je vais passer un petit coup d'aspirateur partout et dans les tiroirs et passer un petit coup de chiffon. Je vous mets tout ça en accéléré parce que sinon c'est inutile. Ça prend trop de temps au montage, flemme. De mon aspirateur, mais c'est vraiment une bombe atomique. C'est pas du tout un truc, un partenariat, c'est rien du tout. C'est juste moi, je vous en parle parce que j'aime vraiment beaucoup. J'ai toujours voulu avoir un aspirateur sans fil en fait, parce que je déteste passer l'aspirateur. Vraiment, c'est une corvée, une horreur. Je ne supporte pas passer l'aspirateur. Le fait de brancher, débrancher, machin et tout, ça me rend ouf. Et je cherchais un aspirateur sans fil. J'ai regardé un peu partout. Et celui qui revenait à chaque fois, c'était le Dyson, sauf que je me suis rendu compte qu'au niveau des avis, il n'était pas aussi top que ça. Il était beaucoup trop cher, l'autonomie, elle était pourrave, ça aspirait pas non plus un truc de ouf. Et honnêtement, je me suis dit, mettre 500 ou 600 ou 700 euros dans un aspirateur, non merci, j'ai pas les moyens pour ça. Donc du coup, j'ai cherché un peu partout. Je suis désolée, j'ai un truc dans l'œil, ça me dérange de ouf. Et en fait, j'ai regardé un peu partout et je suis une fille sur Instagram qui en parlait. Elle, par contre, elle est rémunérée par Dreamy et tout. Et honnêtement, au début, je me suis dit, bon, vas-y, ça a l'air un truc de merde et tout. En plus, c'est un truc vendu, à ce que j'ai compris, par AliExpress. Moi, je l'ai trouvé sur Darty, me semble. Parce que c'est vrai que j'avais un peu peur, même s'il n'y a pas à avoir peur. Parce que maintenant, ils ont tout ce qui est stockage et tout, les grands trucs en France. Mais j'ai préféré le prendre sur Darty. Je l'ai payé 200 et quelques euros. Et comment vous dire, il est juste trop bien. Déjà, il est tout blanc, donc ça change du Dyson. Franchement, le Dyson, je le trouvais pas joli du tout. Il était trop coloré. Moi, je voulais vraiment un truc blanc. Et en fait, ici, vous avez un écran. Je sais pas si vous allez le voir. En gros, ici, vous pouvez verrouiller ou déverrouiller. En fait, si vous déverrouillez, quand vous appuyez, vous voyez, vous êtes obligé de rester appuyé. Si vous le verrouillez ici, en fait, vous avez juste appuyé une fois. Et du coup, en fait, ça tourne tout seul. Et ici en bas, en fait, c'est le pour mettre au niveau turbo. Vous avez là, vous avez, moi j'ai turbo. Vous avez écho et vous avez med, donc medium. Donc l'intensité, elle n'est pas pareille. Là, c'est medium. Là, c'est turbo. Et là, c'est écho. Vous voyez, c'est vraiment, mais il aspire même très bien en écho et tout. Moi, je le mets en turbo parce que voilà, c'est comme ça. Mais en médium et en écho, il aspire tout aussi bien.
Ce qu'il y a de bien, c'est que vous avez plusieurs embouts, vous voyez, vous pouvez tout enlever et tout. Donc vous avez un embout comme ça, vous en avez un autre, je vais vous les montrer après. Vous avez cette espèce de truc là, une extension là, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et ce qu'il y a de bien, c'est que pour vider le réservoir, vous avez appuyé ici, en fait tout va sortir et tout s'enlève. Vous avez le filtre ici, vous l'avez ici, vous voyez, et tout se nettoie, tous les tuyaux. Et vous avez le gros tuyau, donc j'ai pas envie de vous montrer, c'est plein de cheveux et tout, c'est dégueulasse, mais cette partie là... Vous pouvez l'enlever et la nettoyer, pareil, ça se nettoie, ça sèche en 24 heures, c'est hyper rapide. Vous pouvez nettoyer tout le tuyau et tout. Et vous avez d'autres embouts, en fait, vous l'accrochez en fait, ça va venir charger, vous le branchez à une prise et ça va venir charger l'aspirateur. Honnêtement, je crois que je vais pas vous dire de conneries, je vous mettrai à l'écran l'autonomie qu'il a et tous les trucs un peu plus spécifiques parce que j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Je sais pas exactement combien il a, mais en tout cas, franchement, je suis tellement contente de cet aspirateur. Et je peux vous dire, pour quelqu'un qui déteste passer l'aspirateur, vraiment, c'était une grosse corvée. Pour moi, je préférais passer 20 fois le balai qu'une seule fois l'aspirateur, pour vous dire. Et bah là, depuis que j'ai ça, genre, je peux passer l'aspirateur 2-3 fois par jour. Et ce qu'il y a de bien, c'est que c'est pas un gros truc, vous n'allez pas le chercher, le brancher, le machin... Là, en gros, vous le prenez, dès qu'il y a une petite miette par terre, mon truc, je passe l'aspirateur direct. Au moins, tout est toujours nickel et ça, c'est génial. Donc franchement, je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse et que vous cherchez un aspirateur sans fil. Je vais nettoyer la petite commode parce qu'il y a des petites rayures, donc je vais nettoyer avec l'éponge magique. Ça, c'est comme ça. L'éponge magique, pour moi, ça a été la révélation de ma vie. Je vais vous montrer. Et après, on va attendre que mon chéri arrive pour pouvoir tout installer parce qu'avec Inès dans les pattes... C'est mort, je vais rien faire, je vais pas réussir à le faire, je vais être plus là en train de l'embrouiller qu'autre chose. Donc je vais nettoyer ça et on se retrouve bah, juste après quoi. Je vais vous montrer que l'éponge magique, c'est vraiment magique, vous voyez là il y a une trace. Si vous nettoyez avec l'éponge magique, j'ai juste humidifié, bah il n'y a plus rien. Et vous faites pas arnaquer, achetez pas ça en grande surface de Monsieur Prof, vous en avez sur Amazon. Des lots, moi la prochaine fois que je commande sur Amazon, c'est ce que je vais faire parce que ça coûte beaucoup moins cher et honnêtement ça se détruit tellement vite, vous voyez, genre ça salit direct le fait qu'elle soit blanche. T'aides maman à nettoyer ma fille. Franchement ça se détruit hyper vite donc ça sert à rien. Je sais que les deux je les paye 3-4 euros là, pour un lot de 10 vous payez la même chose, donc honnêtement achetez les sur Amazon. Si je vous trouve le lien de celles que je vais acheter, je vous les mettrai en barre d'infos, je sais qu'elles sont très bien. Bravo mon amour, t'aides maman à nettoyer tout, tout, tout. Vas-y. Heureusement qu'elle est là. Hein. Bon, allez, je finis. Vous voyez, vous le mettez à charger ici. Bon là, il n'est pas branché sur la prise, c'est pour ça qu'il n'y a pas de lumière, mais en temps normal, ça charge direct. Vous avez cet embout-là qui est plus fin en allongé comme ça. C'est le même que ça, sauf que celui-là... Il est genre horizontal et celui-là, carré à la verticale. Enfin, je pense que je me suis mal exprimée, mais voilà, vous avez compris. Et vous avez celui-là qui est trop bien, qui est comme ça, vous voyez. Et plein de cheveux, c'est une horreur, je perds trop mes cheveux. Ça, c'est pour aspirer tout ce qui est matelas, canapé et ainsi de suite. Ça enlève tout ce qui est acarien et tout, donc franchement, il est vraiment pas mal. La mission, c'est d'enlever ça là, enlever ce qu'il y a là. Donc je vais vider tout ça, je vais pas le faire avec la caméra, je vais me dépêcher parce que j'ai trop peur que la mesure soit pas bonne. On croise les doigts. Les gars, j'ai pris les bonnes mesures. J'ai pris les bonnes mesures. Je suis trop fière de moi. C'est bon, c'est nickel. Ah, oh, j'avais trop peur. Bon, ça y est, j'ai mes trucs de pré-meuble. Bon, c'était pas exactement ça que je voulais, mais bon, c'est pas très grave. Il m'a pris un énorme panier alors que c'était pas ça, mais bon, c'est pas grave, je vais l'utiliser pour autre chose. J'ai pris un truc pour les cheveux à 2,50 €. Les petits cotons réutilisables, c'était pas ceux-là, ceux-là, ils sont mais à 2 €, ils sont genre exfoliants. Des disques démaquillants, ça c'est des grosses lingettes à 4 €. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5 dedans. Un petit turban pour les cheveux en satin à 3 €. Et un petit leggings pour Inès parce que je cherchais un leggings comme ça pour elle. Avec les petits carreaux, je le trouve magnifique. Il était à 6 €.
et le gros panier là, il était à 9 euros. Donc voilà. Chez Ikea, je vous ai dit, j'avais pris des espèces de rangements. Je pensais pas qu'ils étaient comment ça s'appelle, en carton. Je croyais qu'ils étaient en plastique. Si j'arrive à les enlever. Et en fait, vous en avez deux comme ça, je crois. Et quatre comme ça. Et le grand, bon, le grand, je sais pas trop si je vais m'en servir. Mais en tout cas, on va organiser tout ça ensemble. Et je pense que je vais vous mettre en accéléré. Et à la fin, je vous montrerai vraiment ce que j'ai fait. Parce que sinon, ça va être hyper long. Déjà, le temps que moi, je vois ce que je veux faire et comment je veux le faire. Donc, je vais vous mettre tout ça en accéléré. Et puis, c'est parti, quoi. Et boire un petit coup là. J'ai presque terminé mais j'ai pas tout fini. Donc on va continuer. Ça ne va pas, ça ne va plus. Je suis explosée, exterminée. Je n'ai jamais autant rangé de toute ma vie. Ça y est, là je vous montre et je vais me poser sur le canapé. Je suis en train de me rendre compte, parce que je suis en train de tourner cette vidéo le 31 octobre. C'est Halloween. Je ne me suis pas maquillée. J'ai rien prévu. Je n'ai pas encore fait à manger. Il doit être 18-19 heures. Tant pis. Alors tout d'abord, j'ai réorganisé tous mes parfums. J'ai mis ceux que j'utilise le plus ici. Et tout le reste à côté, j'en ai pas mal. Dites-vous, ça me choque. Genre, tout ça, c'est à moi. Tout ça, c'est à moi. Là, bon, il y a tout ce qui est pharmacie. Tout ça, c'est à moi. Et mon chéri, là-dedans, il a que ça, le pauvre. J'ai envie d'être un homme, moi aussi. Donc là j'ai mis tout ce qui est pour mes ongles, j'ai mis dans des boîtes comme ça, ça se voit pas. Ça il faut que je range après, ça c'est tout ce qui est serviette hygiénique. Ça c'est tout ce qui est vernis normaux. Ça c'est mes petits gels mais ils rentraient pas là-dedans. Ça c'est des vernis encore, il faut vraiment que je fasse le tri parce que je les utilise quasiment pas. Donc je vais essayer de voir à qui je peux les donner. Ça c'est une petite boîte, il faut que je la range aussi après. Donc tout ça c'est le petit coin de mon chéri, le rikiki coin de mon chéri. Ça, c'est mes petits Macs. J'étais obligée de les exposer. Et là-dedans, il y a tout ce qui est petit rouge à lèvres miniature. Mon Miss Dior. Et là, du coup, tous mes parfums, comme je vous ai dit. Ensuite, ici, les bougies, si au cas où... parce que je sais qu'il y en a plein qui m'ont demandé sur Insta une fois quand je les ai mis en photo. C'est moi qui les ai fait. Donc, voilà. Donc, j'ai mis deux petites bougies avec un petit plateau que j'avais acheté chez AliExpress. Et le parfum que je mets tout le temps... Ici, il y a mes cotons réutilisables et derrière, il y a une petite boîte pour mettre tout ce qui est bijoux et tout. Ça, je l'ai laissé ici exprès parce qu'il faut vraiment que je le termine. Ça, c'est mes petits blenders. Celui-là, il faut vraiment que je le lave ou que je le jette. On va voir. Et j'ai décidé de mettre tout ce qui est pinceau là-dedans parce qu'en fait, ils étaient dans des pots et à chaque fois, c'est rempli de poussière et tout. Bon, là, il faut tout que je lave, mais en gros, ici, c'est tout ce qui est pour le teint. Et ici tout ce qui est pour les yeux, et ça d'ailleurs ça n'a rien à faire là. Ici tout ce qui est pour les yeux, et là que les gros pinceaux qui ne rentraient pas en haut. Ça c'est mon petit miroir. Donc ici je me suis organisée comment. Je vais essayer de vous montrer correctement, ça va pas rester là. Mais bon. En gros le premier tiroir, j'ai mis tous les produits que j'utilise quasiment au quotidien. Donc ici tout ce qui est pour le teint, donc poudre compacte, ici un bronzer, tout ce qui est bronzer, highlighter et tout, mascara cotta.
mon blush, des blushs. Ça, c'est un highlighter que j'aime trop. Pareil, je vous en parle souvent de celui-là de chez Makeup Revolution. Il est vraiment trop joli. Bon, de toute façon, je ne vais pas vous montrer tout en détail. Si vous voulez une vidéo un peu plus détaillée de tout ce que j'ai, dites-le moi en commentaire. Ça ne me dérangera pas du tout de la faire. Sachez une chose, c'est que oui, je sais, j'ai beaucoup de maquillage, mais c'est vraiment un kiff. Et oui, j'en achète beaucoup. S'il n'y a que moi qui achète, ou alors c'est des cadeaux, mais voilà. Je n'ai pas fait de tri. J'ai jeté quelques trucs, mais j'ai pas vraiment fait de tri au niveau du maquillage parce que honnêtement, j'en peux vraiment plus. Donc, ça sera pour une prochaine fois. Mais derrière, j'ai mis mes poudres libres que j'utilise quasiment jamais, honnêtement. De fond de teint que j'aime pas trop, ils sont pas trop à ma teinte. Et ma base fixatrice que j'avais pris dans le crash test, mais que je n'aime pas parce qu'elle pue de ouf. Ici, c'est tout ce qui est pour les sourcils et du coup, anti-cerne. Ici, c'est tout ce qui est mascara, truc pour les sourcils. Pareil, tout ce qui est rouge à lèvres que j'utilise un peu plus souvent. Eyeliner et ainsi de suite. Et ma grosse poudre Marc Jacobs qui ne rentrait pas là. Et là, c'est un peu tout ce qui est piercing et tout. Ici, j'ai mis tout ce qui est pour le teint. Donc, fond de teint, base, truc pour faire les... comment ça s'appelle déjà? Les taches de rousseur et tout. Ensuite, en deuxième. En gros, ici, bon, ça paraît un peu fouillis, mais moi, je m'y retrouve. Mais comme je vous ai dit, là, j'ai juste rangé comme ça parce que je devais tout ranger. Mais je pense pas que ça va rester tout comme ça. Je pense que je vais réorganiser. Mais en gros, ici, c'est tout ce qui est crème, que ça soit de jour ou de nuit. Tout ce qui est sérum, contour des yeux et tout, que j'utilise bah, du coup tout le temps. Donc tout ce qui est crème, je vous en ai déjà parlé. Ça, c'est mes face glow là. Vous savez, le truc pour bronzer. Ici, j'ai mis du coup ma British Rose. Je pense pas que ça va rester là. Ça non plus, je pense pas que ça va rester là. C'est mon démaquillant que j'utilise H24 en ce moment. Et ma brume que je mets H24. Tout ça, c'est pour les lèvres. Ça, c'est mes petits sérums. Et ça, c'est tout ce qui est masque. Il n'y a que ça, c'est un gel nettoyant. Mais sinon, c'est tout ce qui est... vous voyez, tout ce qui est masque en tube, exfoliant et ainsi de suite. Ensuite, ici, c'est tout ce qui est skincare. Donc là, tout ce qui est mes masques et tout. Pour les yeux, ça, pareil, c'est tout ce qui est miniature de produits que j'aime bien emporter quand je bouge. Bon, là, c'est vrai que j'ai pas bougé depuis très longtemps. Mais là-dedans, il y a tout ce qui est miniature, par exemple, de démaquillant et ainsi de suite. Des petites crèmes pour les mains. Tout, en fait, tout ce qui est miniature, qui est pratique pour emporter, bah, je le mets là-dedans. Là, du coup, bah, c'est mes cotons qu'il faut que je retire ça. Là, derrière, pareil. Ensuite, il y a un gommage pour le corps, mon huile de coco et des bandes de cire. Et ici, c'est ma machine. Et après, je vais mettre mon roll-on de jade et tout. Ici, c'est mes pinceaux pour les masques. Ensuite, ici, j'ai mis tout ce qui est palette. Pour l'instant, ça reste là. Ça, pareil, vous voyez, j'ai mis ça là, mais ça ne va pas du tout rester comme ça. Pour l'instant, j'ai mis tout comme ça. Franchement, je doute fortement que ça reste comme ça parce que c'est pas très, très pratique. Mais en gros, là, c'est tout ce qui est petite palette, ainsi de suite. Là, tout ce qui est Huda, ici, tout ce qui est Anastasia et en dessous, tout ce qui est Too Faced. Mais je pense que je vais alterner d'ailleurs parce que c'est vrai que... En fait, je vais mettre dans l'ordre dans lequel je les utilise le plus. C'est vrai que ceux-là, c'est celles que j'utilise le plus. Donc pour l'instant, ça va rester comme ça. En dessous, c'est encore des palettes. J'ai juste mis mes deux sprays fixateurs parce que je ne savais pas trop où les mettre. Et mes fossiles ici et là, là, dans le petit truc. Donc en gros, ici, pareil, c'est des palettes encore et encore. Ici, ça, je crois que c'est le plus fouillis. En gros, derrière, il y a tout ce qui est mascara que pour le moment, je n'utilise pas. Il y a des neufs, il y en a que j'ai déjà utilisé, donc il faut vraiment que je fasse le tri. Ici, c'est tout ce qui est rouge à lèvres liquide mat. À part cela, ça, c'est les gloss de Dior. Sinon, c'est tout ce qui est mat. Ici, c'est tout ce qui est petit rouge à lèvres de chez NYX. Et en dessous, il y a tout ce qui est crayon, que ce soit pour les yeux et pour les lèvres, que je n'utilise pas plus que ça. Ça m'arrive de les utiliser, mais pas de ouf non plus. Ici, tout ce qui est poudre compacte, blush, bronzer, highlighter que j'utilise pas pour le moment. Et derrière, c'est tout ce qui est fond de teint qui sont un peu foncés pour moi en ce moment. Donc voilà. Mais voilà, il y a un peu de tout. Et là, les trois, c'est vraiment les trois bordéliques quoi. Ici, c'est tout ce qui est... Il y a une partie pour cheveux là.
Et sinon, tout le reste, c'est des soins. Ça, c'est des trucs que j'utilise. Donc, j'ai mis sur le côté. Il y a mon démaquillant et tout. Ça, je sais que c'est à portée de main. Donc, ça va, c'est plus pratique. Mais sinon, tout le reste, vous voyez, c'est que des produits que j'ai. Par exemple, ici, c'est des... Là, derrière, j'ai mis tout ce qu'il y avait en plus. Par exemple, les shampoings, les gels douche et tout. Pareil, en bas, ça, c'est spécialement pour les cheveux. Mais vous voyez, j'aurais pu très bien mettre ça en dessous et tout. Mais bon, bref, on fera ça plus tard. Ici, c'est tout ce qui est bandeau. Du coup, ça, c'est ce que je vous ai montré de chez Primark. Et ça aussi. Ça, c'est tout ce qui est petites huiles que j'ai achetées. Si vous avez vu mon haul, sinon, je vous le laisse dans le petit i. J'avais fait un haul Aromazone, pardon. Donc tout ça, c'est tout ce qui est mes huiles et tout. Je les laisse à proximité parce que je fais un bain d'huile par semaine. Donc voilà, ici c'est tout ce qui est huile pour les cheveux. Ça pareil, il faut que je le termine. C'est pour ça que je l'ai laissé là. Et ici, c'est mes trucs Airburst. Des élixirs pour cheveux. Et ça, c'est tout ce qui est chouchou. Et en dessous, c'est tout ce qui est recharge. Pareil, ça je crois que je vais jeter d'ailleurs. Il m'en reste plus beaucoup, ou alors je vais les utiliser comme ça, je jette. Ici, vous voyez, c'est des shampoings, des trucs que j'ai en plus. En fait, je fais mes courses sur Internet et des fois, il y a des promos. Par exemple, je vais acheter un shampoing, il y a le deuxième qui est gratuit. Donc, je profite et je prends et des fois, bah, j'ai du stock. Donc, ça ne me dérange pas plus que ça. Mais au moins, voilà, tout est en bas. Il n'y a que mon rasoul qui est là. Sinon, c'est que des trucs en plus, vous voyez. Les shampoings par exemple pour mon homme et tout, mais sinon tout est en plus. Donc voilà, j'ai enfin terminé. Ah oui, et ici en haut j'ai mis mes brumes que j'utilise le plus avec une petite plante, et derrière il faut vraiment que je range. Et honnêtement, ici je n'ai strictement rien foutu parce que c'est un bordel sans nom, donc tant pis. Donc les petits chats, j'espère vraiment que ce vlog vous a plu, que ça vous a motivé à ranger chez vous, à nettoyer et ainsi de suite. J'ai essayé de faire le plus complet possible, mais je vous avoue que c'est assez compliqué. Marine Light, elle prend une place énorme, donc la foutre entre mes pieds, le meuble et tout, c'était un peu compliqué. Donc j'espère vraiment que je vous ai montré le maximum possible. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Franchement, j'ai kiffé de ouf de tourner cette vidéo et tout. C'est le genre de vidéo que j'aime trop regarder. Donc dites-moi si ça vous a plu. J'espère que le avant-après est pas mal. Parce qu'honnêtement, j'en pouvais plus. J'étais vraiment dans un bourbier, un bordel sans nom. J'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Je poste une vidéo chaque dimanche à 17h sur la chaîne. Et n'hésitez pas à activer la petite cloche de notification pour ne pas rater les notifs dès que je sors une vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter. Je réponds à tout le monde en commentaire. Ça me fait trop plaisir de vous retrouver là-bas. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux si ce n'est toujours pas fait. Et je vous fais des gros gros bisous. Et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous !